Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. 10 ans mariée, 10 ans de vie conjugale, mais la neurologue pose ce diagnostic de SLA, la sclérose latérale amyotrophique, qui est aussi connue sous le nom de maladie de Charcot. Il ne peut plus manger, je le fais manger, je le nourris à la petite cuillère. Et moi, je me dis, on se dit, la maladie ne va pas nous prendre notre amour. Non. Le bonheur est possible, malgré tout, le bonheur, ça se décide. Mais aussi pour mieux comprendre ses parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Axel, elle n'a pas besoin de psychologue, cette femme, je me suis dit. C'est la joie au milieu de la tristesse. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je rencontrerai bientôt Axel. Cette mère de 4 enfants, mariée à Léonard, menait une existence heureuse, rythmée par des plaisirs simples du quotidien. Jusqu'à ce jour où un médecin annonce la maladie incurable de son époux. Le monde d'Axel s'effondre, ne reste qu'une seule question, comment faire pour que le bonheur soit encore possible? Bonjour Axel. Bonjour Frédéric. Je suis ravi de vous rencontrer. C'est réciproque. Ça va? Merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je peux vous dire que j'espère qu'on peut tous tirer des enseignements de votre histoire. C'est le but de ma présence ici. Alors qu'est-ce que je vous sers? Il y a café, thé, de l'eau? Je vous laisse vous mettre à l'aise. Merci. Je veux bien un petit café, oui. Merci. Merci beaucoup. Comment vous sentez? Un peu tendue. Bon, vous êtes souriante. Oui. Et au fond, c'est ça qui est particulier, c'est que vous êtes souriante alors qu'on va parler d'une histoire d'amour très jolie, puissante. C'est ça. Courte. Trop courte. Trop courte, mais elle continue quand même. Pourquoi c'est important pour vous de raconter votre histoire et comment vous la résumeriez? Je dirais que c'est une histoire d'amour et d'espérance. J'ai aussi envie de dire que c'est une histoire qui montre que on peut être heureux au cœur de l'épreuve, on peut continuer à être heureux dans les difficultés, dans la souffrance. Je vais essayer vraiment de vous écouter en essayant de comprendre comment on peut tous tirer des enseignements de votre histoire, si vous avez des clés pour nous aider à affronter justement la maladie. Oui. Et puis on va essayer de savoir surtout qui vous êtes, est-ce que vous êtes spécial ou est-ce que vous êtes comme nous. Je vous ai demandé en préparant cet entretien de m'envoyer des photos de votre histoire. Oui. Je me suis permis de les disposer dans l'atelier. Oui. Je vous laisse les regarder. Et je vais vous rejoindre dans un instant dans le salon pour ce tête-à-tête. D'accord. Ça vous va? Ouais. Allez, à tout de suite, ça se passera. Fine light and the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We like diamonds in the sky. I know that we become one right away. Oh, right away. Oh, shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Beaucoup d'émotions en voyant la photo, les photos de Léonard. Beaucoup de souvenirs, évidemment, qui reviennent. Et puis tellement de joie, en fait, devant toute cette histoire, devant tout cet amour. Je me dis, waouh, quelle vie. J'ai envie de dire, on a quand même tout gagné.
Quand on regarde cette petite fille. Ouais. Si on imagine que l'adulte qui est en face de moi avait pu souffler quelque chose à l'oreille de cette petite fille que vous étiez, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Bah, je crois que j'aurais dit fonce. Ouais, j'aurais dit fonce pour cette histoire-là, parce que même si elle avait duré 15 jours, je l'aurais vécu, je l'aurais tout donné. Axelle est la fille de Marie-Dominique, une assistante de direction, et de François, un contrôleur de gestion. Dès sa plus tendre enfance, elle est élevée avec ses quatre frères et sœurs dans l'amour et le respect des autres. Toujours unie, la famille se retrouve à la moindre occasion autour de leurs parents qui fêteront leurs 50 ans de mariage. Donc vos parents, quel genre d'amour ils montrent à leurs enfants? La fidélité, ils s'aiment. Et puis, ils ne sont pas démonstratifs, mais quand les gens s'aiment, ça se voit aussi. Donc, je le vois dans leur regard. Donc oui, j'ai grandi dans un milieu très sécurisant, donc très privilégié en fait. Quand vous dites privilégié, on ne parle pas d'argent là, on parle oui, très privilégié, ouais. Une forme de stabilité. Oui, j'ai été un enfant aimé. Puis je vois un peu la photo là, je trouve que j'ai quand même un regard volontaire. Du caractère. Ouais, du caractère, ouais. Je crois que j'étais un enfant très énergique, en tout cas très sportif, ça c'est sûr. Je passais mon temps à faire des galipettes, à faire des roues partout, je faisais beaucoup de gymnastique. Alors, avant qu'on parle de la magnifique rencontre que vous faites avec Léonard, quel genre d'adolescente vous êtes? Quel est votre rapport à l'autre, et notamment à l'autre sexe? Je pense que l'adolescence a peut-être été un peu plus difficile. Je perds un peu en confiance en moi. Je deviens plus timide, je me mets à rougir. Je suis dans une école de filles qui devient mixte au lycée. Et l'adolescente que vous êtes a peur des garçons ou est attirée par non, les garçons? Pas du tout. Ou, c'est quoi votre conception de l'amour? Je suis plutôt conte de fées. Je crois que j'ai pris conscience quand j'avais 14 ans que je voulais me marier, que j'avais envie qu'il n'y en ait qu'un et que ça soit le bon. Maintenant, j'avais aussi envie de le rencontrer. Donc, bon, alors, à 14 ans... Donc, grosse pression. Ouais, c'est pas si facile. Quand on dit « je veux une histoire d'amour magnifique », bon, bah, 7 milliards d'habitants sur la planète, donc on dit, j'espère que je vais le rencontrer. C'est quoi, justement, comment vous vivez ça? Je trouve ça long. Bah, bien sûr, plusieurs fois, je rencontre des gens, je me dis « ah, peut-être que ça sera lui bon, non, c'est pas lui ». Donc, vous flirtez quand même? Ouais, un petit peu, mais je me rends vite compte que c'est pas le bon. Toujours le petit quelque chose. Bon, c'est le truc qui fait qu'on ne sait pas pourquoi, mais il y a l'étincelle. Et c'est pour ça que ça sera si facile quand je vais rencontrer Léonard. Alors, vous rencontrez Léonard. On verra si c'est facile ou évident. Vous avez 28 ans. Oui. Donc, j'ai attendu 14 ans. Ouais. Oui, c'est ça, entre 14 et 28 ans. C'est ça. Donc, attendu, vous dites. Ouais. Vous dites attendu. Ouais. Alors, la rencontre. Alors, c'était dans une sorte d'université d'été où on était une bonne centaine de jeunes. Donc c'était un truc un peu philosophique. Et, des gens venaient nous parler de la liberté. Puis en relisant mon histoire, je me dis aussi, c'est pas anodin qu'on se soit rencontrés pendant une session sur la liberté. La première journée, j'ai pas fait attention à lui plus que ça. Donc vous ne vous remarquez pas la première seconde? Non. À quel moment vous réalisez qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui est peut-être fait pour vous? En fait, je pense que la cinquième journée, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé. Et je vois bien que de son côté, c'est pareil, qu'on fait toujours exprès de se mettre à la même table, qu'on passe de plus en plus de temps ensemble pendant les pauses, et que c'est très évident. Et en même temps, ça fait très peur. Ça, voilà, c'est de savoir les premières choses que vous remarquez. Qui donc, vous bah, c'est ça que je remarque. En fait, je suis très touchée par son sourire, par son regard, que je trouve très bienveillant, mais c'est quelqu'un d'assez discret, donc il a un regard qui me désarme. Et on n'a plus trop d'appétit, parce qu'on est quand même complètement saisi par ce qui est en train de se passer, alors même qu'on a du mal à mettre un mot pour décrire, et donc déjà pour le reconnaître nous-mêmes, et donc encore moins pour se l'avouer l'un à l'autre. Léonard, encore trop timide, attend qu'Axelle s'en aille pour lui envoyer le signe qui va définitivement faire basculer la jeune fille déjà conquise. L'amour emporte les résistances et la timidité lorsqu'il est sincère. Quand il vous donne rendez-vous, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Je suis très contente. Je me dis yes.
Et pourquoi peur? Vous disiez peur tout à l'heure. Peur parce que... Bah parce que ça fait peur de se dire que ça y est, c'est peut-être le bon. Et peut-être le bon et qu'il faut renoncer aux autres, en fait. Du renoncement, c'est l'exercice. Ouais, c'est moins important, ça. Ouais, c'est l'exercice de ma liberté, justement. Donc, on sort d'une semaine de réflexion sur la liberté. Et donc, je me dis, ouais, bah là, c'est peut-être le moment de l'exercer foncièrement, ma liberté, en renonçant aux autres pour m'engager avec un. Et alors, la rencontre, parce que là, on a l'impression qu'on a affaire à deux timides. Comment ça se passe, la rencontre? Je crois qu'on fait comme si... Enfin, on est super content de se retrouver, mais on ne se parle pas. On parle pas de cet amour naissant. Léonard est venu me chercher en scooter et on allait prendre un pot avec des copains à lui. Donc je me dis aussi, il veut me présenter ses amis. Je trouvais que c'était aussi un signe assez engageant. Comment ça se passe? Le seul souvenir que j'ai, c'est qu'il me prend la main discrètement sous la table. Voilà. Ah oui, pas si timide que ça, en fait. Et que donc... Bah oui, il ose. Mais en fait, c'est tellement naturel, c'est tellement spontané que bon, bah voilà. Mais on s'est encore rien dit. Et la suite? La suite, c'est un peu ridicule. Et en même temps, c'est un élan de tout l'être. Donc on repart, je remonte sur son scooter, voilà, il démarre. Et puis à un feu rouge, il se retourne vers moi. Donc on a évidemment tous les deux nos casques. Il se retourne vers moi et puis là, c'est... L'élan, encore une fois, le truc évident à faire, il m'embrasse et enfin, on s'embrasse. Ce qui est ridicule, c'est quoi? C'est les casques? Bah oui. Oui, voilà, on est tous les deux avec nos casques et ce premier baiser, et voilà, avec les casques. Vous n'arrêtez pas d'utiliser le mot évidence. Ouais, c'est une grande tout évidence. Est naturel. Ouais, c'est. Bah, c'est, ça met un côté, c'est un peu magique, cette histoire. Je me pose pas de questions. Je sais que c'est ma place, en fait. Il y a une sorte d'évidence. On se reconnaît. On se reconnaît et puis on est bien. On est tellement paisible, tellement bien, là, tous les deux, ensemble. C'est, ouais, on s'est trouvés, en fait. Well, tell me it's il y a eu un truc important, c'est qu'on a pris un temps pour un peu pour réfléchir, un temps en silence. Là encore, c'est un peu le même genre d'université d'été dont je parlais. Je sais pas pourquoi on a récidivé. Et donc, je crois qu'on a besoin de faire silence pour se conforter, pour franchir le pas, en fait, de se décider à se marier. Et puis c'est là où on entend quelqu'un qui nous dit j'ai beaucoup souffert de mots à ma UX qui ne me sont jamais arrivés. J'ai beaucoup souffert de mots qui ne me sont jamais arrivés. Et en fait, c'est une incitation à vivre le présent. C'est une injonction à ne pas vivre l'anxiété. Ouais, on ronge c'est tous. Ça, exactement. Au fond, c'est pas le présent qui nous angoisse, c'est le futur qui n'arrive souvent jamais. Et pas on va toujours. Voir que vous l'avez expérimenté. Ouais. I was thinking about the day we met. Axel et Léonard partagent la même vision du monde et de la vie. Ils vivent leur amour intensément. C'est au cours d'un voyage à la montagne, alors qu'Axel vient de se faire une vilaine entorse, que Léonard se met à genoux près d'elle pour lui poser la question qui va changer sa vie. Le soir même, Léonard me demande ce que je compte faire pendant les 50 prochaines années. Là, vous comprenez? Très vite, est-ce que tu veux m'épouser? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Moi, je me dis c'est le bon. Je me dis ouais, j'y vais. C'est oui, c'est une évidence. Votre mariage, souvenir extraordinaire, vous avez des crampes tellement vous souriez. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Je suis tellement contente, enfin plus que contente, parce que contente, c'est pas assez. Je suis très heureuse. Qu'est-ce qui vous rend si heureuse? C'est lui. En fait, je trouve que c'est un homme. Voilà, il est viril. Il est capable de s'engager. En même temps, c'est quelqu'un de très doux. Voilà, avec un sourire qui est lumineux. Donc une virilité bienveillante. Une virilité bienveillante, ouais. Il pose son regard sur vous et vous vous sentez aimé, vous vous sentez ami. Effectivement, il est très paisible, il est serein et en même temps, il est extrêmement drôle. Ouais, il a un humour décapant, décoiffant. Et puis je trouve aussi que c'est quelqu'un de très complet parce que il est très à l'aise avec les enfants. Donc il a des deux côtés, on a pas mal de petits neveux. Et je suis touchée par l'attitude qu'il a envers des petits,
En même temps, je suis touchée aussi par le fait qu'il soit capable de faire le ménage, d'attraper un balai brosse et la serpillière. Il est viril, mais pas macho. Ouais, c'est ça. Ouais. Viril, mais pas macho. Ouais. Le couple part un mois en voyage de noces et découvre l'Indonésie. Ensemble, ils n'ont plus peur de rien et à leur retour, tout va très vite. Ils achètent une maison en banlieue parisienne où vont rapidement retentir les rires de Mayalen, leur premier enfant. C'est quoi le sens à ce moment-là de la paternité, de la maternité pour vous, l'un et l'autre, à ce moment-là ? Voilà, c'est une grande question que vous posez là. Avant même de se marier, Léonard m'avait dit je veux être père et je sais que je suis fait pour être le père de tes enfants. Donc, il avait le sens de la formule, hein. Ouais, non, mais vous vous rendez compte, la fiancée qui est en face, elle se dit waouh, c'est beau, il assume, il veut être père. Et puis donc moi, bien sûr que je sais que je veux que ce soit lui le père de mes enfants. Et voilà, bah c'est dans la continuité, c'est naturel. Ouais, on sait qu'on a envie d'avoir plusieurs enfants et qu'on s'épanouira là-dedans. Ouais. Alors son travail, c'est quoi ? Parce qu'il va être beaucoup en déplacement. Il est ingénieur projet dans une société de pétrole. Il part assez souvent sur des plateformes ou sur des bateaux. Comment on vit ces séparations au début ? Douloureusement. Oui, c'est. Je suis profondément en paix et profondément moi-même quand il est là. Donc forcément, quand il n'est pas là, c'est difficile. Bon, en même temps, on n'est pas complètement fusionnel et moi, j'ai envie d'être heureuse en tant que femme et pas seulement en tant que l'épouse d'eux ou en tant que couple. Donc voilà, j'attends un enfant, je travaille en tant qu'enseignante. Vous allez vivre 3 ans au Gabon. Oui. Alors, c'est important pourquoi ? Parce qu'il y a une forme d'émancipation par rapport à vos familles respectives ? Oui, c'est un peu ça. Je me vois encore disant au revoir à mes parents à l'aéroport. Donc, on est tous les deux. J'ai l'impression un peu d'un accomplissement, d'un aboutissement et aussi d'un point de départ. On démarre foncièrement une aventure tous les deux. On va se faire des amis tous les deux qui ne seront pas les amis de l'un ou de l'autre. Voilà, on va vivre, on va construire quelque chose tous les deux et comme un départ. Commence 3 années de bonheur total. La famille s'agrandit, Gaëtan et Clémence rejoignent leur sœur. Léonard entre midi et soir, il aime ses femmes et les protège. Leur quotidien est aussi joyeux que possible. En 2008, c'est le retour en France et la naissance de Calixte, leur fils, le petit dernier. Leur bonheur paraît alors indestructible. Pourtant, la tragédie s'annonce. Léonard est touché par d'étranges symptômes. Léonard tombe malade, notre quatrième enfant, à simplement 10 mois. Au début, ses premiers symptômes, c'est qu'il a une gêne dans la marche. Il boite très légèrement, des fourmillements dans un bras. Donc au début, on n'est pas du tout inquiet. Voilà, je lui dis bon bah c'est pas grave, hein, ça passera. Il s'avère que Léonard a une angine et lui qui n'était jamais malade va chez le médecin pour soigner son angine. Et après avoir parlé de son angine à la généraliste, en repartant déjà sur le seuil de la porte, il lui dit au fait j'ai un petit truc là, une petite gêne dans le bras, dans la jambe. La généraliste prend la chose au sérieux, elle l'envoie faire d'autres examens médicaux chez des spécialistes. Et voilà, ces examens vont durer environ 6 mois. Pendant ces 6 mois, il y a de l'inquiétude ? Pas de grosse inquiétude. Mais au fond de moi-même, je sens qu'il y a quelque chose qui est survenu et que les choses peuvent basculer. En fait, j'ai été assez marquée par des chutes de Léonard. Ça y est tombé comme ça ? Ouais. Alors au début, en fait, ces premières chutes ont été assez spectaculaires. On était à une soirée. Déjà, je trouve qu'il a des propos un peu étonnants, un peu inconséquents. C'était pas lui. Il n'a pas bu ? Bah si, il a bu, mais Léonard, il tenait l'alcool extrêmement bien. Donc c'était surprenant. Vous ne mettez pas ça sur ce compte-là ? Non, pas du tout. Et je lui dis, mais ça va ? Il dit, non, j'arrive pas à marcher. Bah si tu veux, on rentre, on y va. Et il me dit, oui, je veux bien. Donc j'avance et je lui dis, alors tu viens. Mais en fait, il voulait bien venir, mais il n'arrivait pas à marcher. Donc je lui prends le bras et puis on finit par sortir à pas de fourmis tous les deux.
Et là, il fait, donc on arrive dehors, il est minuit, il neige. Donc on est une semaine avant Noël. Et là, il chute. Il fait une grosse chute, un énorme cocard, il saigne la tête, le genou. Vous dites quoi, ce moment ? Et je me dis, c'est pas bon, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il a ? Et le lendemain, sa gêne, sa boiterie a disparu. Donc bon, on a un peu tendance à oublier. Jusqu'à ce que la neurologue qui l'a suivi pendant ces 6 mois lui dise « Écoutez, ça dépasse ma compétence, je vous envoie à la Pitié-Salpêtrière, je pense à une maladie neurodégénérative. » Et là, on pose un diagnostic et on vous dit quoi ? La neurologue pose ce diagnostic de SLA, la sclérose latérale amyotrophique, qui est aussi connue sous le nom de maladie de Charcot. Et on vous dit ce que et ça veut dire ? Oui, on comprend que, en fait, on ne sait pas, les médecins ne savent pas pour quelles raisons les motoneurones sont atteints, vieillissent et meurent prématurément, donc ne commandent plus les muscles qui s'atrophient. Donc c'est la paralysie qui s'installe progressivement. Voilà, donc, et on vous donne tous les symptômes dans la chronologie ? Nous, quand on ressort, on se dit, ok, un diagnostic est posé, on est presque content de savoir qu'il y a quelque chose qui est reconnu scientifiquement, ça porte un nom. En fait, que ça porte un nom. Et puis on se dit, là, Léonard, il est venu en marchant, il boite. Mais il ne peut plus vraiment courir, mais ça va encore. Et c'est là où on se rappelle, en rentrant en voiture, on se rappelle cette phrase. J'ai beaucoup souffert de mots qui ne me sont jamais arrivés. Et on se dit, on va vivre le présent. On va vivre step by step, pas à pas. Voilà, aujourd'hui, ça va, donc c'est ça qu'on regarde. Courageux, mais inquiet, Léonard et Axel s'informent sur la maladie, mais c'est en visionnant un documentaire qu'ils prennent brusquement la mesure de ce qui attend Léonard. C'est un reportage sur quelqu'un qui est atteint de SLA et qui dit que la maladie lui a tout pris. Et donc on voit cette personne qui a perdu l'usage, je pense, des 4 membres. Et elle commence à avoir aussi la voix qui est altérée. Donc elle dit « la maladie m'a tout pris ». Et moi, je me dis on se dit « la maladie ne va pas nous prendre notre amour ». Non. Peut-être que la maladie va tout lui prendre, mais pas notre amour. Non. À ce moment-là, au moment où vous prononcez ces mots, vous ne savez pas ce que vous allez vivre. Non. Ça veut dire quoi pour vous à ce moment-là ? On se dit, on va rester l'un avec l'autre, on va s'aider, on va continuer à s'aimer. On a 4 enfants qui sont jeunes, donc évidemment, on veut le meilleur pour eux. On se dit, on va continuer à être heureux. On verra bien ce qui se passera. Ouais, c'est une décision. Il y a un acte de volonté qui est fort. Les premières évolutions de la maladie, c'est quoi ? Au début, il marche en boitant. Après, il va devoir prendre une canne. Ensuite, ça va être un déambulateur. Donc pendant ce temps, il perd de la mobilité, non seulement dans un bras, mais dans deux. La fonte des muscles se poursuit, voire même s'accélère. Déambulateur, ensuite un fauteuil manuel de temps en temps, jusqu'à une autre chute impressionnante, parce que Léonard est resté inconscient 10 minutes, encore avec un énorme cocard. Donc hop, on appelle les urgences, on part. Voilà, c'est impressionnant aussi pour les enfants. Et Léonard, avec l'humour et la générosité habituelle, à la présence d'esprit de dire aux enfants « Moi, je vais monter dans le camion des pompiers, nananananer. » Et du coup, ça permet de libérer le stress, l'inquiétude des enfants. Donc, il se voit avec cette maladie dégénérative. Mmh. Il fait de l'humour. Oui. Dans toutes les situations. Oui. Comme une sorte de défi à l'existence. Oui, on pourrait dire que c'est un défi. Comment vous annoncez les choses aux enfants qui ont moins de 10 ans ? On leur dit que leur papa a une maladie qui est grave. On ne ment pas. C'est embêtant. Bien sûr, on leur dit « Toi, tu aimerais ne plus bien pouvoir courir ou même avoir de la gêne pour marcher ?»« Non, bien sûr. » « Pour papa, c'est pareil. Oui, c'est embêtant, c'est sûr. Mais ça l'empêche pas de t'aimer. Alors, papa ne va pas... » Vous avez ce réflexe. Oui. Et à un moment donné, vous êtes tiraillé parce que vous devez vous occuper de lui, vous occuper des enfants. Oui. En fait, ce tiraillement, je pense que ça a été une des choses les plus difficiles pour moi à vivre.
donc 4 enfants plus lui. Je voulais aussi avancer dans mon travail. Nous sommes à table, nous dînons. Et puis, Léonard a perdu la mobilité des bras. Donc, il ne peut plus manger. Je le fais manger, je le nourris à la petite cuillère. Mais il a aussi une atteinte de la déglutition qui a bien commencé, ce qui fait qu'il a vraiment du mal à avaler. Donc, parfois, il s'étrangle. Vous savez, quand on s'étrangle, parfois, on larmoie un petit peu. Et de l'autre côté, je fais manger mon fils, Calixte. Qui a quel âge ? Qui a 3 ans, peut-être 3 ans et demi, et puis qui râle, qui pleure parce qu'il n'aime pas. Et je lui dis, mais Calixte, mais je vais te faire manger jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que tu sois un papa ? Et là, je réalise qu'en fait, le modèle qu'il a sous les yeux, c'est que je nourris son papa. Donc je me dis, il faut bien que je lui fasse comprendre. Je lui explique que c'est pas grandir que d'être nourri comme ça, et que pour son papa, c'est bien sûr un cas qui est très particulier, et que si son papa pouvait, évidemment, il mangerait tout seul. Les enfants d'Axel assistent impuissants à la diminution progressive de leur père. Toute la famille s'accroche alors éperdument à cette idée, profiter de l'instant présent. Ils sortent, vivent, font la fête. Mais bientôt, l'état de Léonard s'aggrave. Il perd l'usage de la parole. C'est là où il me dit, si je ne peux plus parler, eh bien je chanterai. Et alors là, moi, je suis subjuguée, stupéfaite, par encore une fois cet à-propos, cet humour qu'il a qui me remplit de joie et qui me préserve de la tristesse. Et quand il dit « si je ne peux pas parler, je chanterai », qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Il veut nous dire qu'il va continuer à courir ce risque du bonheur, parce qu'il avait donc dit, quand il était passé au stade du fauteuil pour toujours, « si je ne peux plus marcher, je courrai ». Et là, « si je ne peux plus parler, je chanterai ». Donc c'est sa façon à lui de continuer à être heureux. Et le bonheur est possible, malgré tout. Le bonheur, ça se décide. Et comment vous communiquez quand il ne peut plus parler ? Alors, il peut encore... la voix est altérée, mais il peut encore communiquer. Bien sûr, il ne va pas faire des grands discours, mais je continue à le comprendre. Mmh. Voilà, mais les enfants, eux, ont du mal à le comprendre. Et d'ailleurs, ils disent, non, c'est maman qui va lire une histoire, c'est pas papa. Donc là, quand ils disent ça, c'est difficile à entendre, parce qu'on se dit, on n'a pas envie que le lien père-enfant soit coupé. Mais en fait, on va vite réaliser que pour l'enfant, c'est pas grave si papa peut plus lire, parce que maman va le faire, et puis on continue à aimer papa. Voilà, c'est comme ça. Et les adultes, vous êtes dans l'acceptation l'un et l'autre, à chaque fois, de cette diminution, de cette diminution, de cette diminution ? Alors, Léonard, oui, il va de renoncement en renoncement, avec un sourire et une abnégation dont je suis foncièrement jalouse. Pour moi, c'est plus difficile. J'ai bien sûr des moments... De colère, où j'en ai ras-le-bol. Colère contre quoi, finalement ? Contre l'existence ? Contre la médecine qui n'a pas de trouver de traitement ? Contre la maladie. J'ai des moments où je me dis « et si j'allais ne plus l'aimer ?» Je me rappelle de la phrase. Je réalise bien que c'est un piège et qu'il faut bien que je dissocie la maladie du malade. Et j'en veux à la maladie, j'en veux pas au malade. Et au contraire, je suis quand même très admirative. C'est fou la façon qu'il a de continuer à sourire. Lui n'a jamais eu une parole de plainte. Et de colère non plus. Et de colère non plus. Une fois, il m'a dit c'est déjà bien assez dur comme ça, n'en rajoute pas. Et donc, il est dans la douceur. Il est dans l'acceptation. Et je crois que c'est ça, sa force, en fait. L'enseignement que lui peut nous apporter de cette expérience qu'il a vécue, vous l'avez vécu à ses côtés, face à la maladie, quelque chose qui terrorise tous les êtres humains qui sont vivants sur cette terre. Au fond, il garde le sourire et il est dans l'acceptation, on a l'impression à chaque seconde. Ouais, je crois que c'est vraiment ça le cœur de cet enseignement, c'est qu'il s'est laissé aimer. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment touchée. Et je me dis, waouh, il se laisse aimer, il se laisse regarder. Ça veut dire quoi pour vous, se laisser aimer ? C'est un écho très fort, parce que quand on s'était mariés, on s'était mariés à l'église et on avait choisi un texte d'évangile qui était le texte du lavement des pieds. C'est quelque chose qu'en général, les gens, quand ils se marient... Ils ne choisissent pas ça, ouais. C'est plutôt un texte sur l'amour. Mais justement, nous, on a trouvé que c'était un texte qui parlait de l'amour, parce que ça disait... laisse-toi laver les pieds. Laisse-toi faire.
Et donc là, je me dis, waouh, le Seigneur, il nous a pris au mot. C'est quand même incroyable. Léonard, il a de l'humour, mais le Seigneur, il en a encore plus parce qu'il nous dit, laisse-toi faire. Et Léonard, il réussit à rentrer dans cette acceptation, ce lâcher prise, cette pauvreté. Il devient vraiment le pauvre qui se laisse faire, qui se laisse aimer. Et moi, je suis un peu jalouse de ça, je ne vous le cache pas. De quoi ? De cette capacité à se laisser aimer. À accepter. Il est donc c'est Léonard, c'est un très bel homme. Là, avec la maladie, il a perdu 30 kilos. Il a forcément, il peut plus se coiffer lui-même. Enfin, toutes ses chemises sont devenues beaucoup trop grandes. Il se laisse regarder, il se laisse faire. Je dois lui dénouer sa sandale. Je dois le laver. Et mais aussi, on va avoir une aide-soignante qui va jouer un rôle important aussi, Fatou, qui va être formidable. Et puis quelques autres, quelques très proches qui vont. Il y a Laurent aussi qu'on verra. Laurent aussi qui a su s'occuper de Léonard. Et en fait, c'est très violent d'accepter le renoncement et d'accepter de devoir être aidé. En 2013, Léonard est à bout de force. Axel comprend alors qu'il est temps d'affronter cette ultime épreuve, l'hospitalisation et la certitude désormais qu'il n'y aura pas de miracle. Léonard ne guérira pas. C'est là qu'on comprend qu'il n'y a plus d'espoir. Alors, quand il rentre à l'hôpital, oui, il est vraiment très gêné. La maladie continue à s'accélérer, à s'aggraver. Les échanges gazeux ne sont plus bons, malgré les machines. Donc, il va avoir un masque, ce qu'on appelle une VNI, une ventilation non invasive. Voilà. Vous êtes là quand il va s'éteindre ? Vous êtes à ses côtés ? Oui. Je vais vivre l'agonie et la mort de Léonard dans une profonde tristesse. Léonard va accepter en fait l'idée que vraiment il n'en a plus que pour quelques jours. C'est plus seulement l'idée de la mort, mais c'est la réalité de la mort qui est là. Et nous allons vivre des moments très, très beaux et très forts, notamment cette ultime demande en mariage où je dis à Léonard, est-ce que tu veux m'épouser ? Donc Léonard cligne des yeux pour dire oui. Et voilà, on va avoir 3 jours très éprouvants parce que nous devons accepter cette séparation, cette mort. La peur, bien sûr, de l'inconnu. Il exprime sa peur ? Oui, il exprime sa peur. Et donc, avec la générosité qui est la sienne, il me dit qu'il a peur de nous laisser. Que c'est ça, sa tristesse, c'est de nous laisser. Comment vous le rassurez ? Et je le rassure en lui disant qu'un ami, mais aussi un frère de Léonard, se sont engagé à ne pas nous laisser, à ne pas nous laisser tomber, à ne pas nous laisser seuls. Et puis je lui dis ça, donc ça le rassure. Et je lui dis que je suis heureuse de ce qu'on a vécu et que je n'ai pas peur. Voilà, je lui dis ça. Donc c'est bien sûr beaucoup d'émotions. C'est difficile, mais je suis assez sereine. Voilà. Et donc, quand Léonard meurt, je suis là. Et puis, sa maman est là aussi. Donc, je trouve que c'est très beau parce qu'il est au milieu de nous. Chacune, on lui tient une main. Et voilà. Léonard meurt. Donc, nous, on croit qu'on se retrouvera. Donc, pour nous, en fait, c'est une espérance ultime, suprême, et ça fait partie de notre joie. Donc, c'est important aussi pour moi de l'exprimer. Et ce que je trouve chouette aussi, c'est que les enfants, quand quelqu'un leur dit, ou même moi, hein, « Ah, mais si papa était là », et les enfants, ils coupent la parole, ils disent « Mais il est là !» La vie d'aujourd'hui ? La vie d'aujourd'hui, elle est difficile parce que c'est l'homme de ma vie et que j'ai envie de le voir. Il y a un manque. J'ai envie de le toucher, j'ai envie de voir ses yeux, son regard, son sourire. Évidemment, il y a un manque qui est mordant.
Et puis, vous connaissez la Martine, hein, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, même si je suis très entourée, que j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens proches que j'aime, qui m'aiment, parfois, je me sens seule au milieu d'eux parce que celui que j'aime, que je continue à aimer, il n'est pas là. Donc oui, bien sûr, il y a cette souffrance et en même temps, j'ai envie de continuer. Enfin, déjà, je suis heureuse. Je suis quand même très heureuse, vous voyez, c'est d'avoir difficile. Vécu tout ça. Oui, et même aujourd'hui, au présent, je reste profondément heureuse. Et les enfants le sont, je crois vraiment pouvoir le dire en leur nom. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre récit ? Un appel à courir le risque du bonheur, à regarder ceux qui souffrent, à faire attention à l'autre, et donc à poser un regard d'amour. Parce que ceux qui souffrent doivent se laisser aimer. Et j'ai aussi envie peut-être qu'on retienne un hymne à l'amour et à l'espérance, à l'importance de saisir toutes ces petites joies du quotidien. Ouais, et puis j'ai envie de dire aux gens d'avoir des étoiles dans les yeux et puis de chercher... Je crois qu'on peut être heureux pleinement dans les sommets, mais ça veut dire aussi qu'il faut de l'exigence et de la fidélité à ce qu'on est d'abord, peut-être, à l'autre, mais aussi à ce qu'on est. Je vais recevoir vos amis et j'espère qu'ils vont m'aider à comprendre comment votre expérience à vous peut tous nous aider dans nos vies. Parce qu'eux ont assisté à beaucoup de choses. Ouais. Ils ont été présents. Ils ont été très présents. Et donc, j'espère qu'ils vont m'aider à obtenir des clés. Que votre expérience nous serve à nous tous. Okay. À tout de suite, je vais les chercher. D'accord, merci. Axel fait partie de ceux qui ont la pudeur de ne pas dire la difficulté de la reconstruction. Pourtant, une question s'impose. Comment a-t-elle fait ? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter Katia et Laurent, les amis d'Axel, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. En fait, ce qui était exceptionnel, c'est la façon dont ils ont répondu à cette annonce, à cette maladie et la façon dont ils ont dépassé cela. Cette famille m'a appris qu'au milieu des larmes, on peut se lever. Ils bousculent mes limites à moi, Katia. Mes limites sont pas les limites, on peut les dépasser. C'est quoi la question que vous vous posez quand vous la voyez là tout de suite? Mais quand je la vois, je pose la question comment elle va là, dans ces moments. En ces moments. Et quand vous la connaissez bien, vous avez le sentiment qu'elle va comment? Je crois qu'Axel a vécu des choses très très grandes et... La tension est quand même liée un peu avec ça, qu'on aimerait beaucoup, nous tous, à transmettre cela aux gens qui pourraient peut-être vivre la même chose, mais peut-être pas de la même manière. C'est effectivement ce qui m'intéresse, parce que évidemment, je suis bouleversé par cette histoire, une histoire d'amour déjà presque absolue, magnifique, unique. Et puis, effectivement, vous avez été confronté à la maladie et à la mort d'une manière très, très particulière. Et la question, finalement, c'est quelles sont les clés? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que nous tous, on peut tirer comme enseignement de cette expérience-là? J'espère que vous allez m'aider l'un et l'autre. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur qui et pourquoi ils sont là? Katia est une amie qui habite dans la même ville que moi et que nous avons rencontrée à notre tour du Gabon, donc à peu près dans les années 2008-2009. Et elle et son mari, Jean-Martin, ont été très présents, très proches. En fait... tout au long de la maladie, au cœur de la maladie. Et Katia et Jean-Martin ont fait partie des gens que je pouvais appeler. Voilà, quelqu'un, une amie, comme une sœur sur qui je peux compter. Et je sais bien que je pourrais toujours compter sur elle. Et sur son mari aussi, bien sûr. Ouais. Laurent. Voilà. Et Laurent, c'est un ami de longue date, mon Lolo. Je l'ai vu pour la première fois quand j'avais 14 ans. Il était sur les planches, il jouait Scapin dans les fourberies de Scapin à l'école, parce que Laurent, c'est un homme de théâtre. Plus le temps a passé et plus les liens d'amitié se sont forgés, parce qu'il faut du temps pour créer une amitié aussi. Et il s'avère que par le plus grand des hasards, Laurent est un cousin issu de Germain de Léo. Et ils ne s'étaient jamais rencontrés.
Incroyable, c'est-à-dire que vous connaissez jamais vous, vu. À l'âge de 14 ans. Ouais. Vous avez tombé amoureuse à l'âge de 28 ans d'un homme qui était en fait le cousin de Laurent. Voilà. Et donc, un jour, on réalise ça avec Léo. Je crois qu'on venait de se fiancer et je lui dis, attends, on va appeler Laurent, mais c'est toi qui appelles et tu lui dis, salut Laurent, je suis ton cousin et je voulais t'annoncer mes fiançailles. Mais donc, ça va être rigolo parce que comme il ne te connaît pas, en fait, on va voir comment il va réagir. Voilà. Et comment t'as réagi, Laurent ? Oh, très bien, j'étais très heureux de savoir qu'Axel allait rentrer dans ma famille finalement. Et donc là, au contraire, c'est le lien de famille qui existait, qui préexistait finalement à cette rencontre, à ce mariage entre Axel et Léonard. On resserrait tout de suite les liens entre Léonard et moi. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé comme si on s'était toujours connus finalement, puisqu'il se marie avec Axel qui était une très bonne amie. Eh bien, ça nous a vraiment rapprochés, et encore plus après avec l'histoire qu'on a connue et cette trajectoire fulgurante de Léonard tout au long de sa vie. De Léonard et d'Axel, parce que ce qui est important de dire, c'est que toute cette histoire, c'est une histoire conjugale, hein. C'est une histoire de deux personnes qui ont affronté cette maladie, ce mystère qu'il fallait affronter, et toujours un témoignage de cet amour entre Axel et Léonard, très fort. Voilà. Alors, comme vous êtes connu adolescent, est-ce que vous vous rappelez du moment où Axel tombe amoureuse ? Non, parce que ça a été une aventure vraiment de propre à Axel et Léonard, qu'ils ont gardé assez secret au début, en tout cas, en tout cas ce qui me concerne. En revanche, ce que j'ai constater, c'est qu'elle est tombée amoureuse et que ça n'a pas traîné. C'est-à-dire que le mariage a vite suivi cet amour naissant. Elle avait une certitude. Il y avait une évidence. Une évidence, voilà. Et alors maintenant, vous vous rappelez d'eux quand vous les voyez ensemble pour les premières fois. Qu'est-ce qu'on remarque ? Parce que des gens amoureux, on en voit plein autour de nous. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Mais, je vais peut-être vous étonner. Rien d'exceptionnel par rapport à d'autres personnes qui s'aiment. En fait, ce qui est exceptionnel, c'est la façon dont ils ont répondu à cette annonce, cette maladie et la façon dont ils ont dépassé cela. Vous l'avez vécu justement, cette annonce de la maladie ? Ça s'est passé comment ? Progressivement ou il y a eu un moment particulier ? Oui, de ce qu'on a ressenti, c'est qu'ils l'ont d'abord vraiment vécu tous les deux, c'est-à-dire qu'ils l'ont mûri avant de l'annoncer à l'extérieur, en tout cas aux amis les plus proches, parce qu'il était nécessaire, et puis c'était visible, nécessaire d'en faire état. Et puis, ce qui était vraiment très important, c'est une sorte de je vous le dis, pour que aussi vous sachiez nous aider. Et donc, Axel et Léonard, ils ont tout de suite accepté, c'est ça qui est très beau dans cette histoire, ils ont accepté l'aide. Ils ont même appelé à l'aide assez souvent en disant « voilà, si vous n'êtes pas autour de moi, autour de nous, on ne s'en sortira pas ». Et donc vous, la famille, les amis, vous répondiez en étant prêts. Ça, c'est un des enseignements qu'on devrait retirer finalement. C'est que souvent quand on va mal, on s'isole, on ne veut pas déranger, etc. Et on en parlait avec Axel tout à l'heure. Pour vous aussi, en tant qu'ami, c'est ça qui vous marque dans cette histoire. Génial. C'est-à-dire que du côté d'Axel et Léonard, c'est tout de suite… j'accepte toutes les aides que vous pouvez m'apporter et même j'appelle à l'aide et sans aucune fausse pudeur, c'est lorsque je considère que l'aide que les amis apportent n'est pas suffisante, eh bien je le dis et je réclame même, et de façon positive, hein, c'est-à-dire aidez-nous. Parce que finalement, si vous dites et si vous insistez, c'est parce que de manière générale, il y a cette pudeur-là qui empêche. Mais oui, parce que c'est très intime, c'est une maladie dans une famille, voilà, et donc on se dit déjà, on ne va pas aller dans ce cercle familial qui n'est pas le nôtre. Et donc, on ne va pas aller défoncer la porte pour apporter un plat ou pour dire qu'on est là, pour se manifester. Eh bien, si, il faut le faire, c'est-à-dire défoncer les portes. C'est-à-dire, vos amis sont malades, allez-y. Et peu importe si vous défoncez la porte, ils seront très heureux de recevoir le plat que vous lui avez concocté ou même le petit clin d'œil. Il ne s'agit pas de s'imposer et de rester... Non, justement, il s'agit de quoi ? C'est quoi les détails, justement, il s'agit d'être là. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Katia tout à l'heure, si vous me demandez comment va Axel, eh bien, je m'en occupe aujourd'hui. Il s'agit d'être là et d'être là au présent. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Et puis ensuite, il faut être un peu concret. Pardon, ce n'est pas une leçon de morale ce que je donne. Hein. Non, c'est ce que vous avez vécu. C'est justement que cette expérience vous a appris, que vous aimez transmettre. C'est ça qu'il s'agit. Et qu'est-ce que je peux faire très concrètement, au-delà de toute pudeur ? C'est-à-dire, sans attendre d'avoir nécessairement l'autorisation de la personne malade pour l'aider. Pour aider, je ne demande pas l'autorisation. Katia ? Bravo. Oui. Axel et Léonard sont des gens adorables et forcément entourés de beaucoup d'amis.
Une fête chez eux, c'est pas rien. C'est une fête avec une cinquantaine de personnes au moins. Donc on pourrait dire, elle est bien entourée, cette dame. On ne s'inquiète pas trop pour elle, elle est bien. Et j'ai connu quand même, Axel, des situations avec toi où tu m'avais confié, oui, on a beaucoup d'amis, mais au final, il manque quand même souvent des gens qui sont là. Et c'est des choses pas extraordinaires qui font changer que ça soit supportable, à mon avis. Ou de toute manière, ce que nous avons essayé de faire, être proches et de parfois soutenir les besoins du quotidien. Quand la maladie arrive dans la vie de ce couple d'amis, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous vous dites dans votre tête à ce moment-là ? Oui, je me rappelle très bien. C'est parce que Léona avait passé son chemin de travail, passé jusqu'à côté de notre maison dans un parc, et je remarquais qu'il traînait sa jambe. Mais je ne peux pas décrire pourquoi ça m'a frappée de me dire « Oh, Axel m'a pas parlé d'un accident, de rien. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un traîne de cette manière sa jambe ? C'est pas bon signe. » Quand Axel raconte cette histoire et qu'elle raconte les réactions de Léonard, que moi je n'ai pas connues, c'est très impressionnant. Parce qu'il y a de l'humour souvent et y a une acceptation en apparence. Vous qui avez vécu la situation, de quel souvenir vous avez justement de Léonard dans ces situations-là où il y a une forme de cruauté dans cette maladie puisque c'est une dégénérescence progressive? Là aussi, qu'est-ce qu'il vous a appris de la vie finalement? Alors, donc Léonard, l'image la plus forte, c'est de voir qu'il ne s'est absolument jamais plaint de sa situation, en tout cas vis-à-vis de ses amis, de sa famille, en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas vis-à-vis de nous, il ne s'est jamais plaint, y compris quand physiquement, ça commençait vraiment à être douloureux, difficile. Ce que l'on garde de lui, c'est le rayonnement, pas que de son visage et de sa joie intérieure et de son sourire, mais le rayonnement de sa personne. C'est-à-dire que l'approcher dans ces moments où jour après jour, son état physique se dégradait, on avait l'impression qu'il s'effaçait, il s'oubliait lui-même pour être agréable aux autres, y compris lorsqu'il savait que il était physiquement un poids. Je prends juste un exemple. À chaque fois que quelqu'un l'aidait, mettons dans une vie dans une journée ordinaire, mais à chaque fois que quelqu'un l'aidait, systématiquement, quand il pouvait encore parler, systématiquement, il disait merci. Rien que dans ce merci, il y avait toute une charge d'amour incroyable. C'est-à-dire qu'il disait, je ne peux pas te faire de gros discours sur ce que tu es en train de faire pour moi, mais avec ce petit mot tout simple, merci, jusqu'au bout, je dirai merci. Donc il a dit merci 10 fois, 10 000 fois à Axel, mais il l'a dit à tout son entourage. Et s'il était là aujourd'hui, il vous dirait merci pour cette rencontre, il vous dirait merci pour cet entretien, merci de consacrer du temps. Voilà, il s'oubliait lui-même, mais il se mettait jamais en avant, mais il savait reconnaître et remercier ceux qui l'aidaient. Katia, votre regard effectivement sur cet homme, encore une fois, que je n'ai pas connu, et qui donne la sensation quand j'écoute vos récits, d'avoir une attitude très particulière face à la maladie et l'imminence de la mort. Un homme qui, malgré la maladie, mettait l'autre très à l'aise. Donc on se sentait bien à côté de lui. Et malgré, je me rappelle les jours où il avait du mal à parler, moi j'avais du mal, lié avec mes limites de langue. Mais avec Léonard, je me rappelle par exemple une soirée avec d'autres couples dans votre salon. Et à mon avis, c'est aussi lié au fait que Axel a mis son mari pas dans une autre chambre, pas dans le coin. Il était présent jusqu'au bout. Il était donc, on l'avait aidé à s'asseoir sur le canapé. Il ne pouvait déjà plus bouger du tout. Donc on était obligé de lui servir les petites choses. Et je me rappelle, Axel, ta manière humble de le servir. Parfois que par vos regards entre couples, ça m'a beaucoup impressionné. Ta manière de regarder avec amour ton mari, ça m'a impressionnée parce que, point de vue esthétique, point de vue dépendance, on aime quand même avoir un mari fort, un mari
physiquement avec quelque chose. Donc, de la côté esthétique, physique, c'était un sacrifice à vivre. Et tu l'as vécu d'une manière comme une épouse qui tient fidélité. Et comme situation, je pourrais vous raconter une situation assez marquante pour moi. Pendant nos vacances d'été, on était en Provence. Léona déjà dans son fauteuil roulant, sous une chaleur épouvantable. Et on était presque un peu gênés de ne pas savoir quoi faire avec Léonard dans son fauteuil roulant. Et pour le soulager. Pour le soulager, pour nous soulager tous. Et on n'a pas de piscine. Et à un moment donné, mon mari a ouvert le tuyau d'arrosage. Et les enfants, tous tout nus. Moi, je mettais vite mon maillot de bain. J'essayais de surmonter cette petite situation assez délicate. Toi, tu as pris Léonard, toi et mon mari l'ont assis sur une chaise plastique. Et il était au milieu de nous, on l'a arrosé. Et c'est là que je le voyais pour une fois. Ça m'a rassurée parce que j'avoue que j'ai du mal parfois à accepter des maladies, moi, personnellement. Et de le voir, et il était déjà devenu très, presque timide quelquefois parce qu'il ne pouvait plus parler. Et dans cette situation-là, il éclatait de rire. Évidemment, ça lui faisait de bien, comme ça nous faisait de bien à nous aussi, l'eau. Mais il éclatait de rire, pas gêné du tout, son corps maigre. J'avais de la pitié pour ça. C'est là que j'ai vu, sous les vêtements, on peut aussi cacher sous une écharpe. Non, il était là, on voyait bien, mais on rigolait. Autrement dit, ta manière, la manière de vos enfants, a beaucoup encouragé à notre famille d'intégrer au milieu de nous un malade. Au plus profond, ça a été une des journées les plus beaux de nos vacances. Je ne peux pas dire pourquoi, mais après cette journée, c'est le sentiment qui reste encore aujourd'hui. Mais c'est très émouvant de vous entendre dire ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai expérimenté un peu le partage de la souffrance avec vous, que vous avez pris part à notre souffrance, à notre maladie. Ça a pu arriver que des gens disent bah, « je ne peux rien faire, je me sens démunie, je ne peux pas t'aider ». Et en fait, en ayant vécu ces moments dont vous parlez, oui, je peux, bien sûr que je peux dire que bah, votre aide nous a rendu le fardeau beaucoup plus léger. Et votre aide, et puis le regard d'amour qui a été posé, le fait que, bah oui, on puisse pleurer parfois avec vous, et puis qu'on puisse aussi éclater de rire, qu'on puisse partager. Donc on partage la souffrance, et puis bah, on partage notre quotidien, on partage nos joies et nos peines. Mmh. Voilà. Et puis, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est de rappeler un peu le... ce que je considère un peu comme le testament de Léo, qui a été de... Un jour, je lui avais dit, mais Léo, mais si tu guéris, mais qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, mais on fait le tour du monde. Il me dit, si je guéris, on continue. Et si je ne guéris pas, on continue aussi. Voilà, on saisit ce moment où on est arrosé, on a chaud, et voilà, oui, on va prendre une petite douche là, à l'extérieur, entouré d'amis, les enfants tout nus qui courent partout, ou des moments avec Laurent, on est parti une semaine au ski, c'était 6 mois avant la mort de Léo, donc il était dans un... Bien sûr, il était déjà très, très atteint. Et comme il adorait le ski, eh bien là, je lui avais proposé de faire des balades en tandem. Donc il y a un moniteur de ski derrière un fauteuil. Et voilà, donc on avait passé une semaine ensemble, Laurent était sur des skis et Léonard était dans le fauteuil avec le moniteur derrière. Et Laurent faisait la course avec le moniteur. Le soir, il s'occupait de Laurent. Oui, voilà, Katia, Laurent et d'autres ont pu être là, ici et maintenant, effectivement, et venir nous aider. Et c'est important parce que souvent... Bah oui, on a peur d'être intrusif, on a peur d'être maladroit, on a peut-être peur aussi que la maladie soit presque contagieuse. Hein. Il y a des gens peut-être qui peuvent se dire ça. Bah donc, bah ouais, les gars, on a besoin d'aide là, parce que c'est ça,
un peu la fraternité, la charité, la solidarité, la communauté qu'on a envie de vivre. Si on peut, on va frapper à la porte, ou voire même, on va casser la porte pour venir vous aider. Et voilà, on ne va pas s'imposer, mais on va être là. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a peur de l'intrusion, c'est ce qui fait qu'on n'y va pas. On se dit finalement, est-ce qu'il ne faut pas attendre que la personne ait besoin d'aide plutôt que d'infliger de l'aide ? Et vous, vous dites, non, allez-y, cassez la porte, on en a besoin. Oui, on en a besoin. Enfin, je crois que ce qui est important, c'est de demander à la personne qui est dans la souffrance, mais de quoi as-tu besoin ? D'accord, c'est ça la phrase. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as besoin que je vienne t'écouter, que je vienne au chevet de ta fille qui est malade ? Est-ce que tu as besoin que au contraire, de silence et que je ne sois pas là, mais je te le dis quand même que je pense à toi, au passage, c'est important. Est-ce que tu as besoin que je te fasse rire ? Est-ce que tu as besoin que je partage ma propre peine aussi ? Ça aussi, c'est important, parce que parfois, il y a des gens qui ont leurs propres soucis, évidemment. Et si moi qui suis leur ami, Léonard qui est leur ami, ils se mettent à ne plus leur dire leur propre peine, mais c'est... où est-ce qu'elle est, l'amitié ? L'amitié, elle a des droits, elle a des devoirs. Voilà. Et Katia, il y a beaucoup de joie. C'est un mot que vous utilisez beaucoup, alors qu'on pense qu'on va écouter une histoire triste. Et donc, vous parlez souvent de la joie dans cette journée-là. C'est une journée à la fois. Et vous avez le souvenir, je crois, du jour de l'enterrement. Les enfants étaient déguisés. Mm-hmm. C'est frappant, n'est-ce pas ? Oui, ça se trouve que mon mari était passé à la maison. On savait qu'Axel était de retour de l'hôpital avec ses enfants. C'était le lendemain. Le lendemain de la mort de Léonard ? De la mort de Léonard. Et après dire, j'étais un peu... curieuse de savoir comment vous alliez. Je ne voulais pas m'imposer. Je m'étais dit, il y a déjà les parents, il y a suffisamment, donc là, on ne va pas s'imposer. Et pour une raison d'autre, mon mari passait, oui. Et là, il me raconte que les enfants étaient tous déguisés, Calixte en chevalier, ils jouaient comme un peu les folles. Et au premier moment, je me disais... Ça, c'est quand même osé de Axel de permettre aux enfants de faire du carnaval, là. Est-ce que c'est pas exagéré ? Et après, waouh, je voulais l'embrasser que pour ce fait-là. Elle n'a pas besoin de psychologue, cette femme, je me suis dit. Elle permet à ses enfants de se déguiser ce jour-là. Et pourquoi pas ? Est-ce qu'on veut que ça soit encore plus lourd pour eux ? Est-ce qu'on souhaite qu'eux, je ne sais pas, se mettent dans leur lit en train de pleurer ? Et donc, pourquoi pas permettre cette joie ? Oui, la joie au milieu de la tristesse. C'est ça, finalement, qu'on retiendra de cette histoire ? Entre autres, oui. Moi, je suis quelqu'un qui déprime très facilement. C'est vrai. Ça me fait rire. Non, ça c'est la meilleure mignonne dont elle a dit, c'est ça. Et cette famille m'a appris qu'au milieu des larmes, on peut se lever. Et que la mort n'est pas la fin. Qu'il y a une vie. Et qu'on a donc... Ça me semble presque paradoxe, le message de Léonard. Si je ne peux plus marcher, eh bien, je courrais. Et il devrait... À mon avis, avec mes mesures à moi... On devrait dire l'inverse. Si je ne peux plus courir, moi, je marcherai. Donc, il m'impressionne beaucoup, Léonard. Il bouscule les pensées. Il bouscule mes limites à moi, Katia. Et j'espère de beaucoup de gens. De savoir que, non, mes limites ne sont pas les limites. On peut les dépasser. Et j'ajouterais même, on peut danser au milieu, autour d'un fauteuil roulant. Même peut-être avec... Ce jour-là, que cette situation que j'ai vécue tellement joyeusement moi-même, Katia, c'était pour moi une danse avec Léonard. C'était beau comme tout, Axel. Il ne pouvait plus bouger. Pour moi, c'était quand même une danse de vie. Mmh. Oui, moi, je voudrais juste rebondir là-dessus. C'est-à-dire que, effectivement, Léonard était dans son fauteuil, mais... que j'ai constaté que ça a toujours été un homme debout. C'est-à-dire que malgré la maladie, il est toujours resté droit dans sa vie, droit dans son mariage, et puis droit dans ce qui l'animait le plus profondément. Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit sur la semaine de vacances que j'ai passée avec vous. Enfin, on était trois familles, et
c'était les vacances les plus riches que j'ai jamais passées. C'est-à-dire que rien que de passer ces moments avec lui et d'être ensemble et de vivre cette vie de famille aux côtés de ceux qui souffrent, en effet, qu'est-ce que l'on reçoit ? Donc s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est de se dire, mais en fait, quand vous aidez quelqu'un qui est en fauteuil, c'est vous que vous aidez. C'est-à-dire que, Katia vient de le dire, ça l'aide à ne pas déprimer, mais nous, ça nous aidait aussi à constater que, eh bien, que notre petite vie, elle est plus forte que les petits désagréments que nous pouvons vivre, et encore plus forte même que les grands désagréments que l'on vit lorsqu'on est très malade. Et que, eh bien, on le constate jour après jour en côtoyant les personnes qui ont ces grandes difficultés. Et donc, même si eux, c'est visible et que ça va avoir un effet jusqu'à la mort, bah, nous aussi, on va mourir, hein, Frédéric. Vous croyez que j'avais oublié? Quel enseignement et quelle leçon de vie on en prend, quoi. On en prend plein la figure. Alors, dans un instant, je vais vous présenter des amis qui sont comme vous, qui n'acceptent pas la fatalité. Mais auparavant, je voulais quand même dire quelque chose de magnifique, c'est que vous avez choisi de transmettre cette histoire qui était si forte qu'il fallait raconter quelque chose, donc il y a beaucoup de messages. Et vous l'avez écrit avec ce titre qui était une phrase de Léonard, hein, si je ne peux plus marcher, je courrai, avec une préface d'un homme qui a inspiré le film Intouchable. Oui. Donc c'est très très fort là aussi. Oui. Et en plus, il se trouve que vous écrivez bien, vous saviez ? Non. C'est pas obligatoire, vous auriez pu juste raconter bien, ouais. Mais il se trouve que vous écrivez bien. Vous êtes découverte écrivain. Oui, alors, quand j'étais petite, je voulais être écrivain. Quand j'avais 10-12 ans. Mais voilà, donc il a fallu attendre 42 ans. Et puis, cette histoire incroyable, hein, cette histoire d'amour qui continue à durer. Et Philippe Pozzo di Borgo, je l'ai rencontré cet été. J'ai eu cette grande chance. J'ai été très touchée. Ça a été vraiment le point fort de mon été. J'ai trouvé là aussi un grand bonhomme. Donc dans sa préface, il dit qu'il est devenu l'ami de Léonard. Et je pense vraiment qu'il l'aurait été déjà du vivant de Léonard. Donc beaucoup de points communs. Donc c'est un grand bonhomme par son humilité. Je me suis sentie toute petite. Il porte pas sa souffrance comme un étendard. Sa porte est ouverte. N'importe qui peut venir le rencontrer. Il a cette attention, lui, il parle de considération à l'autre. Voilà, c'est un grand bonhomme. Donc je suis très honorée, très touchée qu'il ait accepté de préfacer ce livre. Et en tout cas, voilà, il y a eu un film qui raconte sa vie, ouais. Intouchable. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un film qui raconte la vôtre. Je ne serais pas très, très étonné. En tout cas, Léonard avait énormément aimé le film Intouchable. Comme nous tous. Ouais, voilà, mais c'était le gros éclat de rire. Pas de bras, pas de chocolat, mais qu'est-ce qu'il a pu me la refaire, celle-là.